Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Le Facebook, le Instagram, le YouTube. Ok, salut tout le monde, c'est Alan pour The Workshop. Bienvenue dans notre Question and Answers. Yes! Donc, on a eu plusieurs demandes dans les derniers jours, dans les dernières semaines. À ce niveau-là, plusieurs nouvelles personnes voulaient s'ajouter au groupe, en fait, voulaient s'ajouter à nos breaks, etc. Donc, on a décidé de se placer en live pour répondre à vos questions. En fait, vous expliquer un petit peu les fonctionnements, un petit peu par-ci, par-là, de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut toucher. Donc, c'est le temps. Si vous êtes avec nous sur le live, si vous avez des questions, allez-y directement dans le chat. On va essayer de répondre le mieux possible à vos questions pour vous expliquer le tout. Si on n'a pas de questions, ben écoutez, on va y aller avec des explications simplement. On s'est préparé une petite liste avec les questions qu'on a les plus fréquemment posées, on va le dire de cette façon-là. Donc voilà, je vais rester avec ma belle ambiance bleutée parce qu'elle annonce un peu de neige demain, semble-t-il. Avant qu'on commence, je vous fais un simple rappel de nos médias sociaux, tout simplement Facebook, Instagram, YouTube. Donc, si vous ne nous connaissez pas encore sur chacune des plateformes, allez-y. On est là un peu partout. On est là sur Twitter aussi. Alan Buffer sur Twitter. Et pour YouTube, voici comment faire, en fait. Il suffit de subscriber, tout simplement, de s'abonner à la chaîne Break the Workshop. C'est gratis. Ça coûte rien. Et si vous écoutez live à partir de YouTube, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. C'est banal, ça a l'air banal, mais ça nous aide pas mal pour vrai, ce genre de petite action-là. Voilà donc.
Donc, on va y aller tout de suite avec certaines questions que je vois qui rentrent. Est-ce que vous faites, on me demande, c'est quoi un RAS? Un RAS, en fait, c'est, admettons qu'on a une carte qui vaut 100$, on va la diviser en 10 spots de 10$, tout simplement. Quand c'est full, on mélange les spots et le premier qui arrive en haut remporte la carte, tout simplement. C'est ça, un RAS. Voilà pour cette question-là. Faites-vous des cases de clear cut? On en a fait. Est-ce qu'on va en faire d'autres? Je ne pense pas. Je trouve que ça s'incorpore très très bien dans un mixeur. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on n'en fera plus jamais. Mais ce qu'il faut garder en tête avec les produits, c'est que quand ça sort, le prix est toujours un petit peu plus bas. Aussitôt qu'on passe une semaine, deux semaines, trois semaines, le prix monte toujours un petit peu plus. Donc c'est là que ça devient un petit peu plus difficile de procéder à des cases, par exemple. Mais je ne veux pas me fermer à ça, au contraire. Au contraire, c'est une excellente idée d'y aller avec des cases scellées. On a les cases bien sûr là-dedans, etc. Si je passe à la prochaine, fais-tu des breaks de PGA? On n'en a pas fait jusqu'à maintenant. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Faudrait regarder ça. C'est une très bonne idée. On est ouvert à breaker absolument n'importe quoi ici. Au départ, on faisait surtout les quatre sports majeurs. On a rajouté Pokémon, on a rajouté NASCAR, Formule 1 dernièrement, entre autres. On a déjà fait de la MMA aussi. Pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? On ne sait jamais. Si on a de la demande, gênez-vous pas. Quand vous avez des idées, quand vous avez des commentaires constructifs, on est toujours super ouvert, super réceptif à ce genre de commentaires-là. C'est certain que quand ça vient avec la messe au complet puis que tout le monde sac, ça se peut qu'on soit moins réceptif à ce genre de patente-là. Mais quand c'est apporté de la bonne façon, on est super gros à l'écoute. On va prendre les commentaires le plus constructivement possible et on va essayer de s'améliorer avec ça. On n'est pas parfait. Depuis le jour 1 qu'on travaille fort à s'améliorer, je pense que ça s'en vient très bien. On commence à être pas pire pantoute, mais il y a toujours de la place à s'améliorer à quelque part. Donc, gênez-vous pas quand vous avez du feedback de nous le donner. Quand tu regardes l'endos des cartes et tu dis que c'est blind pack, qu'est-ce que en fait c'est un blind back en français, ça veut dire qu'il n'y a rien en fait dans le dos. C'est comme s'il y avait juste du carton, aucune écriture. Donc, blind back, mon Dieu, je sais pas, un dos aveugle. Non, ça se dit pas de même, en fait. Mais c'est un peu ça. Ça fait que c'est comme si, mettons, je sais pas, moi, mettons, je prends un decoy. Vous avez le joueur d'hockey ici. Bien, ça, on va vous faire ça de même. Ça va être drôle au bout. Donc, mettons, vous avez le joueur d'hockey. Je sais pas si vous allez le voir comme il faut. On le voit pas bien. Oui, on le voit un peu, mon joueur d'hockey. Ça, c'est le joueur d'hockey. C'est comme si je virais la carte, puis il n'y a rien. C'est blanc. Donc ça serait un blind back. Donc au lieu d'avoir des informations, par exemple, mettons que je prends une carte de football comme ça, ben là, quand je regarde à l'arrière, ben il y a tout plein d'informations marquées à l'arrière avec les détails. Ben c'est comme s'il n'y avait rien, c'est un bout de carton ou c'est blanc ou c'est brun tout simplement. C'est ça un blind back. La neige, c'est un poisson d'avril? Non, 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 semble-t-il que c'est vrai, mais je sais pas, tout dépendant d'une région à l'autre, ça va arriver ou pas. vous faites quoi avec les cartes de base vu que vous donnez les spéciaux aux gens? Ça c'est à regarder, on est en train de regarder ça. On va probablement faire en sorte de... Il y a deux options là, les cartes de base on les a jamais envoyées sauf quelques boîtes d'exception, ça qu'on le mentionne toujours à l'avance. Donc normalement on les a pas, on les envoie jamais. Pour le moment, on ne change pas cette formule-là. Est-ce qu'il va y avoir peut-être d'autres façons de faire dans le futur? Ça se pourrait. On est en train de regarder ça tranquillement. Donc, par exemple, avec un frais fixe, les gens qui voudraient avoir les cartes de base de leur équipe, ben, on pourrait leur envoyer moyennant un frais supplémentaire. Pourquoi un frais supplémentaire? Parce que quand on finit un break, ben, on peut avoir une pile grosse de même de cartes de base. Donc, nous, ça nous demande un travail de sortir les cartes de base de 1, ensuite de les sleever, les top-loader. Ben, les top-loader, vous savez que, comme moi, que depuis un certain temps, c'est plus difficile à trouver un petit peu, le prix a augmenté, donc c'est certain que pour nous, c'est des frais. En plus, c'est au niveau du shipping, mais par la suite, ça peut rajouter des frais de plus pour le shipping aussi. Donc, le frais fixe qu'on pense peut-être mettre, parce que c'est pas encore décidé, ça englobe un peu tout ça. Ça serait une manière de faire pour avoir vos cartes de base, dans le fond. Donc, ça ressemble à ça. Sinon, deuxième chose qu'on va faire avec les cartes de base, c'est-à-dire c'est qu'on va monter des sets, des séries complètes, et on va vendre des séries complètes, tout simplement. Ça va être ça qu'on va faire. Donc, j'espère que je réponds bien aux questions. Gênez-vous pas si des fois, il y a quoi que ce soit. Allez-vous faire des breaks, même si Québec tombe en zone rouge? Oui! On n'a jamais arrêté, en fait, depuis l'année passée, mars l'année passée. On pensait que ça allait faire piou par en bas, puis que ça arrêterait. Non, non, pas du tout. On va fonctionner
On va fonctionner encore plus. Donnez-moi un petit peu d'instant là. Juste 2 petites secondes. Donc là, bougez pas, donnez-moi 2 secondes. Facebook semble de venir de planter. On va valider un peu. 2 petites secondes. On va juste valider nos choses de notre côté. Donnez-moi 2 secondes. On vient de me dire que Facebook est planté. On va continuer quand même. OK, on mentionne qu'on continue quand même. Parfait. Alors, on va continuer de la même façon. OK, donc c'est ça. Est-ce qu'on va continuer même si on est en zone rouge? Oui, absolument. On a du stock pour vous alimenter encore absolument pendant 2 semaines sans problème. On va être capable de vous alimenter aussi sans problème. On va continuer nos activités normalement. Donc, ça va être tant mieux pour vous autres, en fait, justement, dans le sens où si c'est fermé, tout le monde est à la maison, les écoles, etc. Bon, on va être capable de vous faire vivre au moins un bon moment quand même pendant cette période, peut-être moins le fun encore. Je sais que c'est pas évident pour plusieurs d'entre vous. Mais on va être là, c'est sûr, sûr, sûr. On va être au rendez-vous pour vous donner un coup de main puis essayer de faire en sorte que vos journées soient un peu mieux. Parfait, donc on mentionne qu'on est en train de relancer Facebook. Parfait, on va continuer quand même. Monsieur Buffer, que vous êtes beau en live. Je vais passer à la prochaine, OK? Salut Alan, c'est à soir que tu nous dévoiles le secret de ta belle barbe. Non, pas pantoute. Ça, c'est des années de travail. Non, non, c'est pas vrai pantoute. Écoute, ça date du secondaire. Moi, j'avais des favoris dans le thème, ils m'appelaient Elvis Presley. Écoute, c'est pas en tout cas. Je n'embarquerai pas là-dedans. C'était très drôle, mais je vais passer à la prochaine. Alors, OK, ensuite. Je lui ai posté Dan que YouTube est up sur la page. Parfait. Donc, on va se donner peut-être quelques minutes, quelques secondes. On va rester live pendant ce temps-là. On va valider à relancer Facebook. Facebook est planté. On va se donner quelques secondes. Bougez pas. On va juste valider tout ça. YouTube semble fonctionner encore. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes à partir de YouTube. Donc, si des fois vous avez des questions, allez-y, gênez-vous pas. Alors, on va essayer de valider pendant ce temps-là si on est capable de remonter Facebook. Facebook est planté. Ça devrait pas être bien long. Merci de votre patience. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir? On a le gros break de hockey 6-31 qui est presque plein. Donc, on devrait être bon pour vous faire ça en soirée. Ensuite de ça, je vais vous sortir ce soir 2 nouveaux breaks. Je vous sors, en fait, 3 nouveaux breaks. Je vais vous sortir un autre hockey une fois que celui-ci va être plein. Je vous sors du Pokémon aussi. Avec, ça va être un Moses de beau break Pokémon, ça va être plaisant et je vous sors du basket. Donc j'espère que vous êtes prêts pour du basket. Ça fait quelques jours qu'on me le demande. Hey, je vous confirme ça tout de suite. On vous sort un break de basket ce soir. Oh que oui! Donc, qu'est-ce qu'on mentionne ici? Le Facebook est planté, mais YouTube fonctionne toujours. Parfait. Donc, YouTube est encore. Le Facebook, pardon, est encore planté. On va essayer de faire en sorte que ça revienne. Ou du moins, on va essayer de voir. Donc, gênez-vous pas si vous avez d'autres questions à partir de YouTube. Nous, on va poursuivre quand même. Facebook est revenu. Donc, on confirme que Facebook est revenu. C'est parfait. On va être bon pour continuer. Alors, rebonjour tout le monde. Et de retour après que Facebook ait planté. On y va avec la prise 2. Oh yes, on est live de nouveau. Good.
Merci tout le monde de votre patience. Donc, c'est Facebook qui a planté. On ne peut pas vous expliquer pourquoi. YouTube a continué de fonctionner pendant ce temps-là. Malheureusement, Facebook a planté. Et là, ça semble être revenu. Alors, good. Alors, on est de retour. Michael, les mini, c'est quoi exactement? Un mini, ça sert... Je l'explique un peu toujours de cette façon-là. Un mini, ça sert à prendre une chance de payer moins cher pour avoir un spot dans le break principal. Je t'explique. Mettons que les spots sont 25$ pour aller dans le main, OK? On va faire un mini avec, mettons, 4 spots dans le main. Donc, 25 x 4, ça fait 100$. 100$, on le divise en 10 spots. C'est ce qu'on appelle le mini. Donc, ça veut dire 10$ le spot. OK? Donc, le même 100$ qu'on remet en 10 spots. Une fois que c'est plein, on mélange les noms. Et c'est les 4 premiers qui vont gagner un spot dans le break principal. Les 6 autres, malheureusement, ne remporteront rien. C'est pour ça qu'on dit que ça sert à prendre une chance de peut-être remporter un spot dans le break principal, mais pour moins cher. Donc voilà, j'espère que je l'explique comme il faut. Ça ressemble à ça, un mini, en fait. Donc, des fois, ça peut permettre de payer peut-être juste 10$, mais pour avoir un spot à 25$ dans le break principal. Donc, ça ressemble à ça, un mini. Ensuite, qu'est-ce qu'un break? Je peux commencer par le début, peut-être. Il y en a parmi vous qui êtes nouveaux, puis c'est correct. Il n'y a jamais rien de mal là-dedans. Il n'y a jamais de mauvaise question. Il ne faut surtout pas vous gêner avec ça. Ou il faut commencer à quelque part, puis il ne faut pas être gêné de ça. Moi-même, j'ai commencé à quelque part au début où on ne savait pas comment ça marchait, etc. Ça fait que dites-le, gênez-vous pas. Donc, une question ici de Samuel. Quand on gagne une carte dans un break ou Raz et qu'on va aller les chercher au magasin, quel est le meilleur moment pour être certain que la carte soit au 418? Ben écoute Samuel, on a des changements justement à partir de cette semaine à ce niveau-là. À partir de maintenant, ça va être 100% shippé. Donc malheureusement, on ne se déplacera plus au 418. On a décidé de faire autrement à partir de cette semaine tout simplement. Donc voilà, donc ceux et celles avec lesquels on avait une entente pour aller laisser les cartes au magasin, on va vous contacter dans le fond au courant de la semaine lors de notre prochain envoi pour avoir votre adresse pour être en mesure de pouvoir shipper les cartes tout simplement. Peux-tu me dire qui est la référence dans les breaks au Québec? Ben, il y en a plusieurs en fait qui sont très bons, que je respecte, qui sont très très solides dans le domaine aussi. Je pense qu'on se débrouille très bien, mais je pense qu'il y en a d'autres qui font très très bien la job aussi et qui sont là pour les bonnes raisons. Moi, c'est ça qui m'importe beaucoup là-dedans, c'est d'être là pour les bonnes raisons. Quand on est là pour les mauvaises raisons, ça peut donner un service qui est so-so après. Donc, tu sais, ce qui est important, c'est pas juste d'ouvrir les paquets puis c'est fini ensuite. Non, c'est de donner l'expérience complète, selon moi, d'accord? Puis c'est de s'occuper des gens comme il faut, c'est de répondre à leurs questions, justement, c'est de leur donner un service le meilleur possible, le shipping rapide. Nous, de notre côté, on ship 2 à 3 fois par semaine. Donc, ça aussi, les cartes sortent assez rapidement d'ici. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui font ça présentement. La qualité de l'emballage qu'on fait aussi, je pense que ça arrive toujours à bon port, en bon état, parce que c'est bien protégé, parce qu'on prend on prend les bonnes façons de faire. Donc, tu sais, ça englobe un peu tout ça, selon moi, dans le fond, d'être un bon breaker. ensuite, on a Mélissa. Différence entre Hobby Box, Retail Box et Blaster Box. En fait, Mélissa, si j'y vais dans l'ordre, en fait, des boîtes, on a le Blaster habituellement qui est en premier. Mettons qu'on prend exemple avec le hockey, parce que les autres sports, des fois, il y a des formats un peu différents. Mais le hockey, souvent, on va avoir le Blaster en premier. Mettons que je prends série 1, 2021, donc le produit avec Alexis Lafrenière dedans, ben le Blaster va avoir des paquets où est-ce qu'il va avoir juste des cartes de base. Au niveau des Young Guns, habituellement, ça va être une ou deux, tout dépendant d'une boîte à l'autre. Suite à ça, il y a la tin, en fait, qu'on appelle, qui est la fameuse boîte de métal. Là, j'en ai pas proche de moi, mais c'est les fameuses boîtes en métal. Même principe, ça peut arriver qu'on ait des paquets de base aussi. Dans les tins, c'est 2 ou 3 Young Guns. Ensuite, il y a la retail qui est un petit peu plus grosse. On a normalement 6 Young Guns assurés, mais on n'a pas accès aux variantes. Donc, tout ce qui est exclusive, high gloss, les variantes françaises, les short prints, ces choses-là ne s'y retrouvent pas. Et ensuite, il y a la Hobby Box qui est, elle, en haut complètement. Normalement, c'est elle qui est la plus chère. Et là-dedans, ben, on va retrouver toutes les variantes possibles, c'est-à-dire les exclusives, les high gloss, les clear cut. On va trouver les variantes françaises, justement, les short prints, un peu tout ce qu'on peut retrouver va être dans la grosse boîte, en fait, si je peux dire. Fait que j'espère que ça répond bien à ta question. C'est important.
Oui, absolument. Ça prend du respect entre nous, François, puis tu apportes un très, très bon point là-dedans. C'est super important d'être patient avec tout le monde, puis de garder en tête qu'on a tous commencé en quelque part. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, même si nous autres aussi, des fois, on a envie de se fâcher un peu parce qu'on se fait poser la même question 50 fois. Ben, on se dit qu'on a tous commencé en quelque part, puis on prend le temps de répondre comme il faut aux gens. Et j'espère que ça fonctionne bien et que vous avez un bon service, là. Ensuite, des fois tu trouves un canvas, mais tu ne la mets pas dans un case de plastique. L'achètes-tu quand même celle-là? Oui, absolument, Pierre. Les seules cartes qu'on ne ship pas, c'est les cartes de base. Donc, des fois, je ne les sleeve pas immédiatement, tout simplement pour garder une efficacité dans le live. Sinon, les breaks seraient beaucoup, beaucoup plus longs. Donc, souvent, on va prendre ceux que je pense qui ont peut-être une meilleure valeur. On va les sleever, on va les protéger. Donc, tu sais, comme les cartes qui sont transparentes, par exemple, des ice ou des choses comme ça. J'aime pas trop qu'ils se frottent ensemble quand c'est transparent comme ça. Donc, j'ai tendance à toutes les sleever normalement. Mais c'est un peu ça. Donc, on les sleeve pas parce qu'on veut pas les protéger, juste pour garder une certaine efficacité. Moi, je les mets à côté. Aussitôt que le break est fini, habituellement, on les protège tout de suite dans les sleeves. Puis c'est pas long, là. Dans la demi-heure après que le break est fini, normalement, elles sont toutes protégées individuellement, sont toutes classées dans vos noms. On a un système de classement. Où est-ce qu'on divise ça par personne après ça, tout dépendant quelle équipe vous avez. C'est un peu comme ça qu'on procède. Ensuite, vous mangez quoi pour être bon de même? Arrête, je te le dirai pas, Jean-Philippe, j'ai pris de la bedaine au bout. Fait que je suis pas un modèle à suivre. Étienne, j'ai commencé quand Thaïs a breaké, ça va faire 2 ans au mois d'août. Donc on a commencé au mois de août 2019. Pour le plaisir, on a fait ça au départ. Puis ça va quand même pas pire jusqu'à maintenant. D'après toi, quel Young Guns est le meilleur investissement à court terme dans Série 2? Sois honnête. Écoute, Moneymaker, si je réponds à ta question, je pense que ça dépend de tous et chacun là-dedans. C'est qui vous pensez qui va être le meilleur prospect? C'est sûr que si on se fait au marché, on a une idée que Stutzel risque d'être bon, Kaprizov aussi. On aime beaucoup Romanov parce qu'il est avec le Canadien, etc. Mais ça veut rien dire, tu sais. Rendu là, c'est à tous et chacun de faire ses recherches un peu, de suivre ça à sa façon. Moi, je vous dirais que j'aime beaucoup Ryan McLeod avec les Oilers. J'ai beaucoup de bons feedbacks de ce gars-là, où est-ce qu'il joue présentement dans le club école. Il y a un ratio plus-moins de très élevé. But passe, ça va super bien. Donc, tu sais, est-ce qu'il y a de la place présentement à Edmonton au centre? Pas vraiment. Donc, je prends une chance. Est-ce qu'il va être bon? Est-ce qu'il va être pas bon? Est-ce qu'il va réussir à aller dans la Ligue nationale? Peut-être pas, mais rendu là, je pense qu'il faut le faire aussi pour le plaisir. Tu sais, en 2019, moi, j'ai collectionné Maxime Lajoie, tout simplement parce que ma blonde, elle s'appelle Lajoie, tout simplement. Tu sais, ce gars-là a joué quelques parties dans la Ligue nationale, probablement qu'il reviendra jamais, mais cette année-là, moi, j'ai décidé que je le faisais pour le plaisir. Ben, je venais ramasser en tabarouette de lui, puis j'ai eu bien du fun. Donc, voilà. Fait que si tu veux faire vraiment un investissement, faut que tu fasses tes recherches, faut que tu regardes vraiment, selon toi, qu'est-ce qui peut être, il peut être pas pire, et tu fais tes choix en conséquence, tout simplement. Steve Gauthier, je suis un vrai nouveau et j'aimerais savoir comment je fais pour m'acheter un spot et où je les trouve. Alors, c'est pas compliqué en fait, Steve. Il y a une façon de faire. Il faut que tu ailles sur le groupe, première des choses, parce qu'on a une page et on a un groupe. La page, on va avoir toutes les raz, on va vous mettre les nouvelles séries qui sortent, les détails, on va vous informer beaucoup avec la page parce que c'est indirect, une page sur Facebook. Le groupe, on l'a mis le groupe privé pour les breaks, tout simplement pour séparer tout ça, question de rester plus efficace sur le mur et que tout le monde ait le plus d'informations possible. Donc sur le groupe, c'est The Workshop Group Break. T'as juste à rechercher ça sur Facebook. Fais ta demande d'adhésion. On n'a pas de questions ou quoi que ce soit. C'est juste une demande d'adhésion. Nous autres, on va l'accepter. Et dans le haut, dans le fond de la page directement, il y a une section qu'on a appelée Breaks in Progress. C'est ça qu'il faut que tu cherches. Toutes les breaks qui sont en cours sont là. On les a divisés par section. Donc, hockey, baseball, etc. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien et ça va t'amener directement sur le bon poste. Tu n'auras pas besoin de chercher. Donc, encore une fois, j'espère que ça répond à ta question comme il faut. Quelle est la meilleure chaise pour un bon breaker? Bolac, bolac, ça prend. Pas si vous le voyez là, Secret Lab. Secret Lab, là, pour vrai, là, j'ai été beaucoup trop longtemps sur une chaise qui descendait tout seul. On dirait que j'étais dans un ascenseur. J'étais dans le live comme ça, puis je descendais bien tranquillement, là. Puis là, des fois, je me ramassais à peu près à cette hauteur-là. Fait que j'ai toffé ça, comme on dit. Et là, on s'en est permis une solide. Mais pour vrai, là, ça n'a rien à voir.
Si vous voulez vous acheter une nouvelle chaise, pour vrai, allez voir Secret Lab. Vous pouvez rentrer votre poids, votre grandeur, tous les détails, puis ils vont vous conseiller la meilleure chaise possible en conséquence de tout ça. C'est complètement malade. C'est malade. Ensuite de ça, le shipping des cartes qu'on gagne devront être payés ou le shipping ou c'est inclus dans le spot. C'est inclus, Michael, en fait. Le shipping régulier est toujours inclus dans tous les breaks qu'on fait. Dans le fond, on envoie ça régulier. À partir de là, une fois que c'est shippé, comme je vous mentionnais tantôt, nous, on ship toujours 2 à 3 fois par semaine. À partir de là, ça dépend de Post Canada. Est-ce que Post Canada est loadé ou pas? Ça dépend du point de tri de service aussi par lequel ça passe. Il y en a qui sont plus loadés que d'autres. Donc, malheureusement, c'est hors de notre contrôle rendu là. Mais sachez qu'à partir d'ici, ça sort toujours très rapidement toutes les semaines. Donc, 2 à 3 fois par semaine. Donc, c'est inclus dans le prix du spot. Si des fois, vous aimeriez avoir un tracking, par exemple, vous pognez une grosse carte d'Alexis Lafrenière qui vaudrait 500 pièces. Ben là, vous aimeriez avoir un tracking puis suivre l'envoi, mais ça, c'est à vos frais, par exemple. Puis les trackings, ben, tout dépendant où ça va, c'est rendu entre 12 et 17 $ de ce que j'ai compris la dernière fois au bureau de poste. Donc, rendu là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous le demandez. Bien important que vous le demandez. C'est sûr qu'on ne courra pas après les gens pour le tracking ou quoi que ce soit. Donc, venez nous voir si vous en voulez un. On va aller au bureau de poste, on va le payer, on va vous ramener la facture, on va vous donner le numéro de tracking, puis on va vous montrer le montant à payer tout simplement. Donc, on ne fait pas d'argent avec ça, ce n'est pas le but non plus, mais c'est vraiment juste de vous donner le meilleur service possible. Ensuite, ben oui, Jean-Philippe, pas de trouble, merci. Pour les nouveaux, Alan est le meilleur. Ben, hey, merci Sébastien, tabarouette. OK, ensuite, si je regarde sur YouTube, est-ce qu'on a d'autres questions? Lafrenière joue mieux de match en match. Il est un génie de hockey, un passeur avec le cerveau d'Albert Einstein. Oui, écoute, je présume que tranquillement, mais sûrement, il va bien se développer, j'en suis sûr. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau, mais on va voir. C'est quelle sorte de gants que tu utilises pour les breaks? Explique pourquoi c'est nécessaire pour monsieur, madame, tout le monde qui collectionne les cartes. Ben, en fait, ça, rendu là, c'est plus personnel à moi depuis le break numéro 1 que j'en mets, pour la seule et bonne raison que ce n'est pas mes cartes que j'ouvre. Quand j'ouvre mes propres cartes, c'est une autre histoire, c'est à moi, je fais ce que je veux avec, ça me regarde. Mais quand c'est la propriété de quelqu'un d'autre, on dirait que j'ai toujours eu en tête que moi, de recevoir une carte avec l'empreinte de doigt de quelqu'un d'autre, je trouve ça un peu ordinaire. Que ça soit une carte à 50 cents ou que ça soit une carte à 500 piastres, dans ma tête, c'est ordinaire. Donc voilà la raison. Normalement, les cartes ne sont pas touchées avec les doigts ou les mains tant qu'ils ne sont pas slivés. Donc normalement, il y a toujours des gants jusqu'à temps que ça soit protégé. Donc, normalement, ça devrait arriver chez vous en très, très bon état. C'est des gants en nitrile noir, tout simplement. C'est pas compliqué, là. C'est des gants qu'on utilise un peu partout. Mais au lieu d'y aller avec des gants bleu poudre, moi, j'aimais mieux l'esthétique d'y aller en noir. C'est plus mine, un peu. Non, c'est pas vrai. Pierre, juste un commentaire comme ça. Ton article dans le Journal de Montréal en fin de semaine m'a permis de te connaître et pour plusieurs personnes aussi. Tu vas être dans le jus tantôt. Pierre, on est prêt. On est prêt à ça. Il n'y a aucun problème. On est prêt à vous donner le meilleur service possible, à s'ajuster aussi. Donc, tu sais, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'erreur. On va certainement en faire. On en a fait par le passé. On va en faire probablement encore. Donc, c'est de se donner la chance à l'erreur. On essaie toujours de se rattraper quand on en fait et de vous donner le meilleur service possible. Il y a toujours une solution quand il y a un problème. Ça, on est convaincu de ça. Donc, rendu là, on va travailler en mode solution avec vous pour essayer de trouver un terrain d'entente puis que tout le monde soit content. Donc, Pierre, on est prêt. Amenez-en du monde, tabarouette. C'est ce qu'on veut. On veut continuer d'avoir du plaisir avec vous autres à tous les jours. Et puis, c'est pas mal ça. On retourne sur Facebook voir. On dirait que t'as des méga trapèzes. Ouais, c'est le gilet qui fait ça. Il fut un temps où je m'entraînais solidement, mais là, pas depuis un petit bout. Alors, c'est des restants de trapèze, je te dirais. Je pensais pas avoir des questions de ça, c'est malade. OK. Steve, j'ai sûrement raté cette question, mais comment vous fonctionnez pour les envois et avoir nos adresses? On vous les envoie Messenger. Steve, viens nous voir sur la messagerie privée, en fait. Tu peux venir me voir, moi, ou directement sur The Workshop. Il y a une messagerie privée. C'est là-dessus que tu peux nous envoyer ton adresse. Nous, on met ça dans un fichier qui reste confidentiel, qui est protégé aussi. Donc, pour pas qu'il y ait de fuite ou quoi que ce soit, bien sûr. Puis c'est un nombre très restreint de personnes qui ont accès à ça, en fait. C'est ceux qui s'occupent du shipping qui ont accès à ça, entre autres, moi. Donc, c'est ça. Vous n'avez pas à être inquiet avec vos renseignements personnels. C'est très, très, très important pour nous de garder ça sur la coche. Donc, c'est un peu ça, Steve. Ensuite, on va retourner ici.
Moneymaker, je regrette dans ma jeunesse de ne pas avoir collectionné les Young Guns de Crosby. J'aurais été très riche, mais... Hein? Mais, hein? Mais en fait, si tout le monde l'avait su, probablement que la valeur serait moindre parce que tout le monde en aurait. Faut pas oublier ça. C'est quand même un bon détail. Uber, meilleur service client de l'industrie. Gênez-vous pas de breaker ici. C'est la note. Hey, merci Uber, tabarouette, c'est super apprécié. Envoyer des balles, j'adore voir les cartes. Ouais, Seb, ça va être tantôt ça. Si le gros break de hockey est full, on vous fait ça tantôt. Ça va être assez plaisant. Parfait, merci Steve. On va prendre ça en note, c'est sûr. On va garder ça dans nos documents. Une fois que vous nous l'avez donné une fois, votre adresse, on la garde en note. Vous n'avez pas besoin de nous la redonner une autre fois. Juste nous tenir au courant des fois si vous changez l'adresse, bien sûr. Question qu'on ne l'envoie pas ailleurs. Donc, ça ressemble un peu à ça. Là, on n'a pas d'autres questions qui rentrent. On va peut-être y aller avec les points que nous, on avait en note. Donc, qu'est-ce qu'un break? Mettons que je commence au début. Qu'est-ce qu'un break? Ben, un break, en fait, c'est qu'on va présélectionner des boîtes de cartes. Donc, 1, 2, 3, 10, 12, c'est nous autres qui va décider en fait. Puis tout dépendant de la valeur des boîtes, ben, on va rattacher un prix à ça. On va diviser ça par un nombre de spots, 10, 15, 30. Donc, rendu là, ça dépend du nombre d'équipes qu'on a disponibles dans le sport ou si des fois on veut faire un multi-équipe, je vais le dire comme ça. Mettons qu'on prend exemple avec la Ligue nationale, il y a 31 équipes dans la Ligue nationale. Donc, souvent, on va diviser le prix en 31 équipes, ça va nous donner le prix du spot que vous avez à payer. Donc, une fois que tous les spots sont vendus, ben, on mélange les équipes, on mélange les noms. L'équipe qui arrive vis-à-vis votre nom, c'est la vôtre pour ce break-là. Donc, on voit ça. Toutes les cartes qui vont sortir de votre équipe, sauf les cartes de base, comme je vous disais tantôt, les cartes de base, on ne les envoie jamais. Donc, toutes les cartes qui sortent de votre équipe vont être envoyées chez vous par la poste, normalement dans les jours, les semaines suivantes. Ça sort quand même assez rapidement. Donc, ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un team random en anglais. Donc, je n'ai pas le terme français en fait, mais c'est on mélange les équipes tout simplement. L'autre type de break qui existe, c'est un team select, c'est-à-dire qu'on choisit les équipes. Donc, au lieu que ce soit le même prix pour tout le monde avec le team random, ben, le team select, les prix vont varier d'une équipe à l'autre. Par exemple, le Canadien, ben, cette année, on a Romanov dedans. Donc, peut-être que le Canadien coûterait plus cher que, mettons, les Bruins qui n'ont pas de recrues dans Série 2, par exemple. Fait que, tu sais. Ça vous donne une idée. Ça, on va pouvoir en faire de plus en plus dans le futur. Vous allez voir, on va en faire une fois de temps en temps des teams select. C'est très plaisant. Si par exemple, vous collectionnez Canadien, ben, vous pourriez acheter du Canadien pour essayer d'avoir des cartes du Canadien, tout simplement, au lieu de tomber sur une équipe au hasard. Donc, c'est un autre format qui est différent, qui est très, très le fun, qui est apprécié par plusieurs personnes aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'en faire un petit peu plus dans les semaines suivantes. Ensuite de ça, combien de fois ton record de let go en un seul break? Hey, j'ai pas compté, Mathieu, mais des fois, quand je réécoute certains breaks, je me rends compte que je le dis bang trop souvent, ça n'a aucun bon sens. J'espère que c'est pas trop achalant, parce que je me rends compte que ça n'a aucun sens. Comment est-ce que je peux dire ça souvent? Ça n'a pas de sens. J'ai les cheveux gris et je suis de Rimouski. Sachez que la Young Gun de Crosby est chère, et ce depuis 2005. Merci, David. Frédéric, oui, c'est possible de payer Interac. Le mode de paiement, il y en a deux. C'est soit Interac, donc c'est ce qu'on appelle EMT. C'est Interac, dans le fond. Ce qui est important avec le transfert Interac, c'est d'avoir la bonne réponse. C'est la seule chose qu'on vous demande. Nous, ça nous aide beaucoup en termes d'efficacité. Donc, la question, vous pouvez mettre la question de votre choix tant et autant que la réponse soit Buffer. Buffer. C'est la seule chose qu'on vous demande si vous payez par Interac. L'autre façon de payer, c'est le PayPal. Et pour le PayPal, la seule chose qu'on vous demande, c'est de sélectionner, avant de confirmer le paiement, il y a toujours une option qu'on peut choisir, soit Friends and Family ou Business, et je ne me rappelle pas comment ça s'appelle la deuxième option. L'option Business et tout ça, il y a des frais qui se rattachent à ça, donc on ne recevra jamais le plein montant demandé. Donc c'est important de sélectionner l'option Friends and Family si vous y allez. Donc c'est amis et famille, je pense en français, donc si vous payez par PayPal, très très important. Équipe aléatoire, merci Francis. C'est pas drôle, tabarouette. Ma fille va à l'école en anglais. J'ai tendance des fois à me mélanger ou à pas trop me souvenir en français. Merci, Francis. C'est malade. OK. Après ça, je retourne sur YouTube. Je trouve ça bizarre que Young Guns, Seth Jones vaut moins qu'une Romanov. Ouais, en effet, écoute, ça, c'est... Il y en a des fois qui sont très bons. On regarde, mettons, certains joueurs. Pourquoi une Young Guns de Dominique Hasek vaut 5, 6 piastres, 10 piastres quand que Romanov, qui n'a pas fait ses preuves, vaut 50 piastres présentement? C'est le marché, la demande, l'offre et la demande, c'est ça, malheureusement.
Ça fait partie de la game. J'ai lu l'article cette semaine et écouté 5-6 vidéos depuis. Tu es un excellent animateur, humour, etc. Tu m'as convaincu, je vais essayer un premier spot bientôt. F. Morris, sens-toi bien à l'aise quand tu veux, sois le bienvenu quand tu veux. On n'a jamais mis de pression sur personne ici pour en faire. On tague pas les gens non plus. Tu sais, je sais qu'il y a plusieurs endroits, le but c'est pas de se comparer, là, mais il y a plusieurs endroits qui taguent les gens tout le temps. Moi, j'ai jamais voulu embarquer là-dedans. Oui, des fois, ça fait en sorte que le break va peut-être prendre une journée de plus à fouler, quelques heures de plus. Ça me dérange pas. J'aime mieux y aller comme ça, qu'il n'y ait pas de pression sur personne, que les gens viennent parce qu'ils ont envie de venir, que ce soit plaisant, simple et surtout dans le respect de ne pas se faire achaler ou quoi que ce soit. C'est un peu la vision que j'ai depuis le départ. Qu'on garde toujours aujourd'hui et qu'on va continuer dans le futur, c'est certain. Mais merci pour les bons mots, F. Morris, puis sois le bienvenu quand tu auras envie. On va avoir du fun, c'est certain. Ensuite, Mathieu, Yog, gardes-tu toutes nos adresses postales où on doit le dire si ça fait un certain temps qu'on n'a pas fait de break? Normalement, je les garde toujours, Mathieu, comme je l'expliquais tantôt. En fait, j'ai un fichier qui a très peu de monde qui ont accès, en fait, seulement ceux qui sont responsables du shipping un peu, dont moi ici, là. Et puis, on garde ça dans un fichier Excel qui est confidentiel, qui est barré aussi. Donc, on garde ça à l'affût de qu'il n'y ait pas de fuite, dans le fond, puis d'être certain que ça reste entre de bonnes mains pour pas que divulguer aucune information à personne. Donc oui, Mathieu, on les garde, les adresses. Ensuite, je pense que j'ai passé beaucoup de choses. Les paiements, le mot de passe. Ensuite, je pense que ça a du bon sens. Je pourrais peut-être vous partager mon écran maintenant. On vous a préparé une page où est-ce que... Attendez un petit peu, je vais aller la chercher. Ça fait plaisir, Mathieu. Je vais vous partager mon écran à l'instant. Je vais juste vous montrer quelque chose rapidement, comme ça. Donc là, vous voyez normalement le YouTube. Ça, c'est notre YouTube, dans le fond. C'est le Break 627 qu'on a fait hier. Et juste pour vous montrer, dans le fond, c'est ici que vous pouvez mettre le like, par exemple, juste en dessous de l'écran. Vous avez toutes les informations. Vous avez toutes les informations ici de notre Instagram, du Facebook. Et vous avez l'option du like qui est juste ici, là. Et c'est normalement, c'est ici que vous avez l'option de subscriber ou de vous abonner au YouTube, tout simplement. Voilà. Donc, ça a du bon sens. On va revenir sur le mode grosse face pendant qu'on a d'autres questions. Donc, ça comme ça. Ça comme ça. By the way, tu ships en Alberta, right? Absolument, absolument, Mélissa. On a des clients au Canada. On a des clients aux États-Unis présentement. On en a même quelques-uns en France aussi. Donc, on ship worldwide. Il n'y a aucun problème. Donc, à moins d'exception, on va s'entendre avec la personne. Mais normalement, il n'y a aucun problème. Canada, États-Unis. Aucun problème, on ne charge pas plus cher non plus, c'est inclus quand même dans le prix. Donc, pas de trouble. Les commentaires aux bons endroits dans les breaks et mini. Oui, merci Dan et Phil, merci beaucoup. Dans le fond, je vous repartage mon écran à l'instant. Je vais aller vous montrer ça 2 petites secondes. On va aller sur la page, sur le groupe directement, bougez pas. On va se mettre au bon endroit, vous allez comprendre un peu qu'est-ce qu'on veut dire par là. Donc, bien important, à partir d'aujourd'hui, en fait, on se doit de... Je vous partage mon écran à l'instant, là. 1, 2, 3, comme ça. Donc là, on est devant le break 6:31 qui va avoir lieu ce soir. Et là, à partir de maintenant, en fait, on doit mettre quelques règles. On doit mettre ça le plus simple possible en termes d'efficacité si on veut bien fonctionner. Et ce qui va être important à partir de maintenant, au niveau des mini, je vous montre un exemple, là. On a le mini 6 qui est juste ici. On va l'ouvrir. Avec les noms, OK? Donc, ce qui est important, maintenant, on met des lettres. Donc, ça évite d'avoir une confusion entre le main et mini quand vous choisissez un spot. Et ce qui est important maintenant, ça va être de commenter sur le mini. C'est-à-dire de commenter juste ici, sous le mini. Si vous commentez dans le main que vous voulez un mini, on ne le prendra plus en considération à partir de demain. Donc, c'est super important de commenter sur le post du mini directement. Donc, quand vous voyez un mini, mettons ici, ben, vous ouvrez les commentaires et vous mettez le commentaire juste ici. Voilà, juste ici, vraiment sous le mini. C'est comme ça qu'on va pouvoir se démêler puis être efficace le plus possible. Donc, c'est ce qui est important. On va vous demander les lettres, oui, mais de commenter sous le mini. C'est super important. C'est pas grave si vous vous trompez dans les...
pas grave si vous vous trompez dans les prochains jours. On va être là pour vous passer le message, pour vous le dire. Les prochaines fois, on va le prendre là. Mais est-ce que les prochaines fois, tu peux mettre le commentaire sous le mini? C'est tout simplement que ça va nous aider. C'est plus en termes d'efficacité, tout simplement, là, c'est pas compliqué. Là. C'est qu'au nombre de breaks qu'on peut avoir par semaine, puis ça va aller en augmentant encore. On veut rester le plus efficace possible. Puis quand on met des règles puis un encadrement, normalement, ça aide beaucoup à ce que ce soit mieux un peu. Un mot de passe, j'ai mis un, j'avais pas trouvé quoi vous vouliez. Steve, c'est buffer qu'il faut mettre comme mot de passe. Buffer. Donc buffer. Félix, pourquoi avoir choisi le nom de workshop? Ah, écoute, ça date de quand même longtemps. Mais The Workshop, en fait, en français, c'est un atelier. Un atelier, c'est. Un atelier, dans ma tête, c'est pas comme une manufacture où c'est gros, c'est gigantesque, qui t'as des centaines, des milliers de personnes. Un atelier, c'est tout petit. Il faut travailler en équipe pour que ça fonctionne. Il faut être capable de bien s'entendre, de se couvrir les uns les autres quand, mettons, il y en a un qui file pas ou quand il y en a un qui est moins bon dans telle affaire, etc. Puis tu sais, c'est un peu ça de workshop présentement, c'est qu'on est une petite équipe qui fonctionne bien ensemble, qui essaye de soutenir les uns les autres, de s'aider. On essaye de grossir tranquillement ensemble le mieux possible en respectant tout le monde et en donnant la meilleure qualité possible. Donc c'est un peu la raison du pourquoi de workshop. Puis dans un atelier, ben, t'es pas obligé de faire une affaire, tu peux en faire plusieurs aussi. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'on ne fait pas juste du hockey depuis le départ, puis qu'on a cette vision-là de vouloir faire plus que juste du hockey. On fait du basket, du football, du baseball. Maintenant, on fait du Pokémon aussi. Et on va commencer tranquillement à faire du non-sport, donc comme le Pokémon et autres. Donc, c'est un peu pour ça la raison de Workshop. Ça a été lancé comme ça au départ, un peu comme ça à la légère. Puis quand on s'est mis à regarder ça un peu plus, on trouvait que ça faisait beaucoup, beaucoup de sens. Ensuite, merci Luc. Merci Luc pour les bons commentaires sur YouTube, super apprécié. Ensuite. Ah, parfait Steve, il n'y a pas de problème. Parfait, merci beaucoup. Hey, salut Jolene. Salut, moi aussi, je t'envoie avec. Quand vous utilisez la messagerie avec la page Break the Workshop, vous pouvez écrire paiement Break EMT Group. Oui, exactement. Oui, c'est vrai, ça, je peux peut-être vous le mentionner. Quand vous utilisez la messagerie, on a fait une espèce de réponse automatique avec certains mots-clés. Donc, vous avez juste à taper les mots, justement, comme paiement Break EMT Group. Dans le fond, vous cliquez là-dessus, puis il y a un message automatique qui va popper avec souvent les informations qui vont répondre à vos questions. Fait que ça, vous pouvez aller voir sur la messagerie privée. C'est sur la coche. C'est pas parfait, mais ça aide en tabarouette à répondre à pas mal de questions plus génériques, je vais l'appeler de même. Salut David, je suis avec toi depuis dimanche suite à l'annonce d'un journal. Très agréable. Le défi, être discipliné, ne pas participer à tous les soirs. Merci à toi, ton dynamisme. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, David. Puis vois-tu, c'est pour ça qu'on en fait plusieurs comme ça, de toutes les sortes. Justement, sentez-vous pas obligé. Vous pouvez être là juste à regarder puis avoir du fun avec nous autres, puis à interagir avec nous autres. Vous n'êtes pas obligé d'être dedans tous les soirs. C'est ça, de la simplicité, puis d'avoir du plaisir avec pas grand-chose. Donc, c'est un peu ça. Un petit break pour le 6-32. Oui, Mathieu, c'est un 4 boîtes qui s'en vient pour le 6-32. Il est déjà prêt. Je peux te donner un scoop. Il va avoir série 1, série 2 hobby, du ice puis du clear cut. C'est ça le 4 boîtes. Le 632 hockey, aussitôt que le 631 est full, je m'en vais vous sortir ça. Ça va être plaisant. Donc, un plus petit break un petit peu. Donc, je pense qu'on a fait le tour un peu. Dan Phil, si vous êtes sur le live avec moi, est-ce qu'il y a des points peut-être que j'oublierais? Y a-t-il des choses que j'ai peut-être passées à côté ou que j'ai oubliées? Je pense qu'on a quand même passé sur beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Donc, cette vidéo-là va être disponible sur YouTube, sur la page YouTube, si vous voulez le revoir. Si des fois vous avez des amis qui se posent des questions, vous pourrez mentionner à vos amis d'aller voir cette vidéo-là. Je pense qu'on répond quand même assez bien à plusieurs questions. C'est quoi un dice roll? Un dice roll, c'est vrai, il restait peut-être ça. Merci Dan Phil, merci. Un dice roll, ça sert à déterminer le nombre de randoms qu'on va faire, le nombre de fois qu'on va mélanger les spots ou les équipes, tout simplement.
Donc, au lieu d'y aller avec prédéterminé, de dire on va mélanger ça trois fois à toutes les fois, ben on s'est dit que de cette façon-là, ça allait être au hasard vraiment à toutes les fois. On exige cinq ou plus, tout simplement pour pas brasser les dés juste deux fois, par exemple, ou brasser les équipes juste deux fois. Donc, avec le Dice Roll, ça nous met un aspect qui n'est pas prédéterminé. Donc, des fois, c'est 6, 8, 10, 12. On va le mélanger le fois que les dés vont nous le dire, tout simplement. C'est ça, un Dice Roll. Le rouler des dés, exactement. C'est ça. Merci, David. Voilà, fait que je pense que ça répond quand même pas pire aux questions. 19-17 présentement. Je pense qu'on va aller se préparer tranquillement pour ce soir. Si le 6-31 est prêt, je pense qu'on va aller rouler ça tantôt vers 8h30, 9h moins quart dans ces coins-là. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller vous préparer les autres breaks. Alors, je vais vous sortir le 6-32, ça va être du hockey, le 4 boîtes, comme je vous ai mentionné tantôt. Je vais vous sortir un Pokémon et je vous sors un basketball aussi. Ça va être plaisant. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu de basketball. On a deux belles boîtes pour vous autres. Ça va être assez plaisant. 6-31, full est prêt. Ben parfait, ça, le random devrait être aux alentours de 8h45 ce soir pour ceux et celles qui sont dans le 6-31. Donc voilà, je pense que ça close le question and answers. C'est plaisant, c'est la première fois qu'on tente l'expérience de cette façon-là. C'est super le fun. J'aime bien ça, tout le monde s'est prêté un peu à l'exercice, puis vous êtes venu quand même poser vos questions, c'est super plaisant. Gênez-vous pas de le faire quand même en privé si des fois vous en avez d'autres, on est là pour ça. On va essayer de vous répondre avec le délai le plus court possible, bien sûr, puis de vous ramener les bonnes informations aussi. Donc voilà, ça complète le tout. Fait que là-dessus, tout le monde, je vais aller vous laisser. Je vais aller me préparer tout de suite à sortir les prochains breaks. On va avoir du plaisir avec tout ça, c'est sûr, dans les prochains jours. Sinon, comme je vous disais, venez nous voir si vous avez d'autres questions. Gênez-vous pas, on est là pour ça. On garde en tête que tout le monde commence en quelque part là-dedans. Donc, on va vous supporter, c'est sûr, le mieux possible avec les connaissances qu'on a, le mieux possible. Donc, voilà. Là-dessus, tout le monde, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Et puis, je vais vous dire à tantôt si vous êtes dans les breaks. Sinon, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Merci. Music licensing reimagined.